Je m'appelle Kader, je suis artiste et peintre, je vis à Mazamet dans le Tarn. J'ai fait les Jeux Olympiques en 92 et mon record, 8 m30. Alors moi j'ai pratiqué le sport et la peinture en même temps, en fait comme deux moyens d'expression. J'avais vraiment besoin de ces deux moyens d'expression pour vraiment m'exprimer, donc je suis fasciné vraiment lorsque je vois des sportifs qui maîtrisent la glisse, qui maîtrisent cet équilibre, ce genre de choses que je n'ai pas. Et donc ça je trouve que c'est très très inspirant. J'ai voulu les mettre en mouvement en fait, pour symboliser la fête olympique, la flamme, le feu et puis quelque chose de pétillant. J'essaie de mettre donc à la place du personnage que je vais traiter. Donc j'essaie de vivre le moment de ce qu'il vit vraiment. Et comme ma peinture est à la limite entre l'abstrait et le figuratif, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire les doigts, ni les nez, ni le nez, ni les yeux, ni quoi que ce soit. Donc lorsque le bras, par exemple, il est dans un virage, eh bien, je vais accentuer le trait. Et donc ça va donner cet effet de mouvement, de vitesse. Alors je pense que la compétition, elle amène justement à ce dépassement de soi. Donc c'est quand même important, ça aide. Mais je pense que philosophiquement, j'ai toujours voulu en fait donner le meilleur de moi-même. Plutôt que de chercher la victoire sur les autres, c'est surtout sur moi-même que j'ai cherché la victoire. Et en peinture, effectivement, lorsqu'on peint ou on crée, on essaie toujours de donner le meilleur de soi.